Attention. Encore une fois. J'aimerais bien voir Ray faire ça. C'était mon épaule. Voilà, Vargas. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. Merde! Non, non, non! Ah! Ah! Merde! Non, 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 non! Merde! Non, 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 non! J'ai réussi. Ça, c'est bon signe. Beau travail. T'as trouvé quoi ? Drake ? Quoi ? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr ? T'as bien regardé au bon endroit ? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que y a des plans de ces bâtiments ? Des plans d'architecte ? Ça se pourrait, y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais.
Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. C'est un sacré acteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Et puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Raif, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de Stroira. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, tú no te metas. Finissons d'envie, puis sortir de là. Allez.
Rompole su carita chula. Hora de irse, gringo. Sam, tu viens m'aider? Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alínense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es que tú fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? Et sérieux, là ? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pas ça qui va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me tuer... Putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu vas vraiment le savoir. Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! C'est pas vrai. Où est-ce qu'on va?